comment dire, tous les livres que je publie, je les apprécie également. Et je n'établis pas de préférence entre les uns ou les autres. Donc tous sont des coups de cœur. Il n'y en a pas un plus que d'autres. Il y a des jeunes auteurs, des auteurs plus confirmés, il y a des différences dans l'accomplissement de l'œuvre suivant les auteurs, mais tous pour moi ont la même importance. Alors sur les livres qui viennent de paraître, je pourrais citer un auteur que je publie depuis 76, qui est René Belletto, dont je viens de sortir le Xème livre, je ne saurais même pas dire, on va dire le 15e ou le 20e, qui s'appelle Le Livre, et qui est la quintessence du policier métaphysique, hein, je dirais. C'est vraiment un livre dans lequel le suspense a sa part, mais surtout l'inquiétude et l'angoisse de type métaphysique. Voilà, ça c'est un auteur confirmé. Les jeunes auteurs, c'est surtout à la rentrée que je vais publier des premiers romans, au mois de septembre. Le premier roman d'un auteur qui s'appelle Mathias Ménégoz, un roman historique qui se passe en Transylvanie, et puis aussi le premier roman d'une jeune femme qui s'appelle Alice Roland et qui raconte avec différents personnages comment peut être vécu par une femme le fait d'être une stripteaseuse. Voilà.